Et bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH pour vous sur la suite entre Let's Play de Steel Rising sur PC. La dernière fois dans notre très gros épisode live, on a fait et terminé toute la zone DLC, donc l'hôpital Saint-Louis. On a appris pas mal de choses sur les manigances de Cagliostro quand il a conçu ses machines. On a fouillé un peu la zone du temple dans le quartier de la Bastille, donc la zone secrète. On a claqué toutes les manes pour être sûr qu'on ait tous les niveaux nécessaires, parce que là on n'en aura plus besoin. Direction le château de Versailles pour arrêter toute cette folie. Donc à partir de maintenant, plus de retour en arrière dès que vous lancez Versailles. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à la fin du jeu. C'est parti. Attention, une fois arrivé à Versailles, il sera plus possible de voyager avec le carrosse dans les autres niveaux et les services en cours ne pourront être terminés. Donc assurez-vous d'avoir tout terminé, parce que là, c'est fini. Here we are, Versailles. I feel a new flame burning inside me. A force that compels me to make my way into the heart of the palace. Athenaïs. Le jeu a commencé à Saint-Cloud au coucher du soleil. On le finit à Versailles au lever du soleil. Donc ici, il ne vous reste qu'une chose à récupérer en toute logique si vous avez bien fait le jeu. Donc déjà ça, c'est le château de Versailles. Il vous reste un seul écho d'Athénée à récupérer, il est ici. Donc le carrosse est là, mais c'est fini. Là vous voyez toute l'avenue qui est devant Versailles. Le château se dresse devant nous. La zone est magnifique, en vrai de vrai. Il n'y a plus qu'à retrouver le roi. L'avantage qu'on ait fini toutes les quêtes annexes, c'est qu'on va aller un peu tout droit. Le problème, c'est que Versailles, comme IRL, c'est un peu immense. Il m'a vu. Et le passage dans le DLC et tous les niveaux qu'on s'est fait, tout l'équipement qu'on a maintenant, ça va être très rapide. Ouais. Bon, ça, c'est un garde classique, mais avec le skin de Versailles. Il y a plein de trucs à péter, il n'y a pas un item. Rembourser. Bon, là, il y a un turifère, donc c'est pour plus tard. Bon, ils sont deux là. On va faire le tour. La haie de plit. Sur la trouille que l'un d'eux se réveille. Et j'aime beaucoup la musique du lieu. Elle a un petit côté mélancolique. Là, en théorie, voilà, ça c'est un raccourci qu'on débloquera plus tard. Donc là, il n'y a rien à récupérer, rien à loot. Hormis les deux gardes devant. J'ai vraiment pas de luck sur mes items, moi.
Avec immobilisation 3, c'est beaucoup plus rapide. Donc ouais, ce sont les mêmes machines qu'on rencontre d'habitude. Elles ont juste le skin de Versailles. Allez savoir pourquoi. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes stats, même attaque, mais... ah, faut que je passe... Ah, ok. Faut que je passe par là. General de Lafayette told me to go this way to enter the gardens, but how could he have managed to make it out alive? Donc cette zone n'est pas pour plus tard, c'était cette zone pour maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on a par là? On a un prototype qui attend, un turifère qui patrouille. Bon. Un prototype qui dort surtout. Ah ah. Turifère de flamme. Ouais, j'avais raison la dernière fois, on va rouler sur Versailles. Et c'est pas plus mal. Après, je trouve que le niveau en soi, il est pas dur. Il peut juste être un peu brouillon de temps en temps, mais il est pas excessivement compliqué. Qu'est-ce qu'on a là? Une baliste... Il y en a qu'un de ça? Ah ouais, ah non, il y en a deux. Ça vient toujours par deux, ça. Voilà, venez. Loin de la baliste. Moi, ça me va. J'ai pas compris ce qui s'est passé, là, mais... J'aime pas ces trucs. Ah, il y en a un troisième. Qui... a planté. Qui a planté. Bah moi ça me va, écoute. Ouais, je voulais essayer de passer par derrière, mais non, pas possible. Bon, je galère moins sur les gros que sur les petits, quoi. Please. Bon, il y a un item là-haut, on pourra le récupérer plus tard. Lui aussi. Ok. Ah, je peux pas les péter ceux-là. Oh, ok. Il y a une vestale ici. Bon, on va la prendre. Hop. Oui, alors j'ai des améliorations parce que... parce que ce sont les armes améliorées. Alors le jeu veut que j'aille là-haut. Il n'y a rien à fouiller dans la zone. Ok. Ah ah ah. Non, là c'est la suite. J'ai vu une petite porte là. My queen, he stopped shouting. The doctors are with him. When will they let me hold him? Don't worry. I'm sure that...
done! Grâce à Dieu! We've done it! He's alive, Gabrielle! Yes, my queen, he has been saved! Praise be to the good Dr. Lemonnier! Grand Dieu! What's going on, Gabrielle? Here! Stand back, Your Majesty! Silence, everyone! Louise Lazare! Hear my voice! My child! Seigneur! Monsieur Carrère! Oh, mon Dieu! What on earth? Your Majesty, we must retreat! Leave Monsieur! Go! Oh, my queen! Mon Dieu! Carrère, close that door! De Garas, let me see him! No, madame, it is over. You must go to Versailles. No, my son! My darling angel! Les cris du dauphin sont assez déchirants dans cette scène. Et voilà! Les échos de la reine. Ouais, ouais. Le dernier titan ne s'attend autre qu'elle. Alors, si vous... En fait, l'avantage, non, c'est pas ça que je devrais dire. Ce titan a la particularité d'avoir deux âmes différentes en fonction de l'avancement de votre des quêtes annexes et surtout, en fait, de la quête du dauphin. Si vous ne complétez pas la quête du dauphin à fond ou si vous ne donc la faites pas ou si vous ne faites pas les documents que Mirabeau vous remet, le dernier écho sont ceux de Madame de Polignac. Maintenant que la reine connaît la vérité, c'est elle qui anime le titan. Ah, ça change pas le combat, ça change pas l'apparence du titan, ça change juste l'âme qui l'anime. Donc on doit aller là-bas. Comme on a fait à fond et que la reine connaît la vérité, c'est donc elle qui va animer le boss de fin. Ouais. Ça que c'est entre guillemets la vraie fin du jeu. Hop là. Oui. Donc ouais, même si Lafayette, on l'a descendu comme pas possible dans les quêtes annexes, il joue un rôle dans la quête principale. Peu importe le choix que vous faites. Le prototype, ça va. Empêcher de le critique. Oh oh. Il y a un peu trop de monde. On va claquer une burette d'huile. Merci les chaînes gardes de Vaucanson, non, de Versailles. Ok, ça c'est pour plus tard. Rien à récupérer, on avance.
efficace la patrouille. Ouais, les portes qui ont des halbardes comme ça ne peuvent pas être ouvertes. Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne et il n'y a pas de loot. Ok. Ok, je savais qu'une autre machine au fond, mais je savais pas ce que c'était. Toujours pas de loot, toujours pas de coffre. Après, ce que j'aime bien, c'est que les coffres ne servent pas à grand chose, vu qu'après vous avez le choix de relancer en fait soit un new game plus, donc du coup ça vous sert pour le new game plus. Sinon, si vous relancez la save, en fait vous êtes relancé avant Versailles, mais sans le loot que vous avez récupéré ici. Donc, et les coffres de la zone vous servent juste en fait pour ce niveau. Ah, toi. Tellement satisfaisant. Ah, là, il y a un passage. Ah oui, je sais où on arrive. Voilà, ça fait du bien. The petty Trianon is at the end of this path. I cannot get to it. I'll have to enter the labyrinth. On sent que la manière de parler des Jeez en ce niveau est très différente de la d'avant. Elle fait beaucoup moins mécanisme, elle fait beaucoup plus humaine. C'est beaucoup plus Athénaïs qui parle là en fait. Bon, alors on n'est pas vraiment au petit Trianon. Il est là-bas. Il y a juste cette grande allée où tout est fermé pour l'instant. Donc là, c'est bloqué. Là-bas, je sais qu'il y a des pas beaux. Et ça sera ouvert plus tard. Ici, ils sont toujours autant buggés. J'ai buggé dans la première partie, c'est buggé dans celle-là aussi. Moi, ça me va. Tant que ce sont ces blocs qui bug, moi, ça me va. Parce que là, si j'essaie d'ouvrir... Verrouillé. Ok. Alors, il faut qu'on passe par là. Et je veux juste vérifier. En fait, cet endroit, il faudra qu'on y revienne par plusieurs fois, au moins deux fois. Il y a un loot là-bas. Ok. Le dédale du dauphin. Il y a un bûcheron. J'entends un musicien, quelque part. Ah, il y a une araignée. Deux araignées. Waouh. Thank you.
Voilà. Un bûcheron, ça va. Un bûcheron avec deux araignées, c'est moins globe déjà. Ça, c'est ouvert de l'autre côté. Et ça, c'est pas ouvrable. Là, c'est fermé. Ah, aspic. J'y vais un peu YOLO, je vous avoue. Je devrais pas trop. Même si en vrai, pour l'instant, ça va. L'avantage de faire ce niveau après le DLC, c'est que je suis pas mal stuffé, donc c'est cool. Je peux me permettre d'y aller un peu franco. Je vais pas y aller trop franco, parce que sinon le jeu va me le faire payer. Alors là, c'était juste un détour. Ah oui, il y a un passage par là. On est dans le trou, ok. On va pas y aller tout de suite. Y a rien là. Non. Ok, c'est parti. Eh oui, même vers ça, il y a un souterrain. On n'était plus très sûr, mais si. Bon, après, ça va, il est pas très très long. Quoique. Ouais, ça se prend. Est-ce qu'il me semble avoir entendu? Ouais, ok. Pas très d'accord, mais d'accord. Ah, ça ne veut rien dire. Ok. On a... rien du tout. Non, là, c'est là d'où je viens. Ouais, faut mieux essayer de pas s'y perdre ici, hein, parce que... c'est les jardins de Versailles. Ils sont presque fidèles à la réalité. Ça c'est fait. Vous voyez l'aura. Avec la lumière du jour, c'est compliqué à voir, mais ça doit se voir sur le mob. Voilà. Le cyborg instable, le dernier boss instable du jeu. Et donc l'avant-dernier boss du jeu. Allez, bouffe. Je
mais il n'offre aucune résistance. Lui, il a retourné pendant tout le combat. Gros sommeil, hein. Très très gros sommeil. Alors, par contre, la vestale qui va avec, je sais plus où elle est. Ah, elle est au fond. Ouais, il y en a partout, hein. L'avantage, c'est qu'ils dorment. Donc c'est pratique. Donc c'est bien là-bas qu'il faut aller, donc nous on va aller par là-bas. On va peut-être activer la Vesta à l'avance, que ça va tous les réveiller. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre un petit niveau. J'hésite à prendre un peu de robustesse en vrai. Même si l'ingénierie pourrait être pas mal. Parce qu'en vrai niveau dégâts on est bien. Donc ouais, je vais prendre un point de l'ingénierie pour un peu d'armure en plus. Alors là je suis à 30 000 man sur 46 000. Pas assez. C'est pas grave, de toute façon. En vrai, ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Bon, vu qu'on a une Vestale et vu le temps de l'épisode. Alors, j'ai avancé un peu juste pour voir. Bon, en marchant, on va pas les réveiller, donc c'est pas très grave. L'avantage, c'est que c'est un point de farm facile. On les tue. On les fait respawn grâce à la Vestale et on continue assez rapidement. Ok, il y a deux portes. Donc il y en a une qui est la bonne. Ouais. Ah, ok, c'est lui, il est endormi. Je vois pas l'intérêt du piège, mais... Ok. Ah, c'est qu'un autre là-bas. Pour un raccourci. Ah oui, ok, je vois où c'est. Et là, c'est fermé. Je sais même pas si la zone qui est derrière, on peut y aller ou pas. Mais dans le doute, c'est pas grave. Bon bah, cette zone-là, c'est bon. On a fait tout ce qu'on avait à y faire. Alors, faut juste que je trouve la sortie. Juste là. Ok. Et ben... Ah, il y en a encore là. Ok, juste pour... Oh, ok. Cool. Je les ai réveillés. Ma faute, j'ai couru. J'en ai réveillé un. Donc, avec ça, qui est juste ici, j'en ai deux. Ah bah avec les deux. Ah non, il manque encore 2000 man, c'est ça? Ouais, il manque 2000 man. Bon, c'est pas grave. Ça va se faire rapidement. Et ben, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on continue Versailles. Et
je dis bien peut-être qu'on finit le jeu. Peut-être. C'est pas dit, c'est pas sûr. Mais si je suis efficace, peut-être. Parce qu'en vrai, il nous reste. On a fait le boss instable. Il nous reste deux échos à trouver. Trois contentieux d'Athénaïs. On a quelques cinématiques. Donc peut-être. Je sais pas si je ferai un seul gros épisode ou deux épisodes plus petits. On verra. Toujours est-il que merci d'avoir suivi cet épisode. Le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir. Vous connaissez la chanson. Le Discord en description. Et je dis bientôt pour la suite de Steel Rising. Salut!